Donc là, on a la colle. Là, on a La une des pièce que je vais pièces. ouvrir après. Là, une autre pièce. Là et là. Ouais, là, c'est les formes, les supports qui ont notamment les attaches de broches qui sont déjà fixées dessus. Parce qu'évidemment, une fois qu'on aura les plumes, on ne pourra plus faire de chalumeau, hein, sinon c'est un drame. Ah oui, les attaches pour que ça tienne Ouais, sur les le... attaches Oui. qui sont elles en fil d'acier. D'abord, je fais ma structure en argent. Et dans cette structure en argent, il y a des petites tiges qui seront à l'intérieur de ma structure en papier de riz. Donc, elles seront en sandwich en fait. C'est toutes ces formes-là. Et pour faire mon casting de pulpe de papier de riz, je dois avant avoir. Donc, celui-là, c'en est un qui était raté. Mais il est raté au niveau de la forme. Et dans le processus, c'est complètement ça. C'est qu'en fait, je vais rentrer chaque petit. Je vais rentrer en fait tous ces éléments-là. Les quatre là. Ils doivent bien. Enfin, en fait, non, c'est un peu compliqué. C'est que je dois faire la forme en négatif. Je pars de ça. Je la mets dans la terre. Je fais la forme en négatif qui correspond très bien à la courbe que je voudrais avoir à l'intérieur. Et je dois être nickel au niveau du bord à bord, ici. Parce que si je suis pas bien au niveau du bord à bord, ici, ce sera foiré au niveau du bord à bord. Donc, faut se dire que c'est vraiment ce que j'aurai à la fin. Donc, je dois être vraiment nickel au niveau du bord à bord. Et ensuite, dans cette forme en terre, je vais couler du silicone. Et ça va me donner ça, en fait. Et dans ce silicone qui est coulé, je vais couler du plâtre pour faire un coffrage. Donc là, tout ça, c'est en terre, en fait. J'ai toute une grosse structure en Mais terre. tu le refais à chaque fois, non? Ouais, à chaque fois, Ah, ouais. à chaque fois. C'est super long. Ouais, c'est obligé parce que chaque forme est différente. Parce que j'avais demandé. Ouais, c'est super long. C'est pour ça que Ah ouais. même avant de commencer ma plumasserie, j'ai déjà passé. Ah putain, ouais. Ça veut dire que à la limite, toutes les formes sont un peu différentes, quoi. Elles sont toutes différentes. Déjà, le tour est différent. C'est pas le même ovale, c'est pas la même taille. La tige qui est réalisée pour faire l'ovale, il n'y en a pas deux qui sont de la même taille déjà. Et elles sont toutes en tout. Nanana, elles partent d'une petite et puis de plus en plus grand. Donc déjà, il n'y a jamais deux ovales qui ont la même taille. Et ensuite, ils n'ont pas le même ovale. Et volontairement, c'est des ovales qui ne sont pas des ovales parfaits, puisque je sais bien que moi, tout ce que je vais monter dessus, il n'y a rien qui sera géométrique. Et ça, le papier, parce que je sais que dans le Japon ancien, vous avez des sculptures en papier avec des structures en bois en dessous. Et le papier, c'est vraiment lié à l'Asie ou en Europe aussi, on a des techniques à partir du papier ou de la pulpe de papier Bah, disons que on en a, mais je m'intéresse pas trop, je me suis pas vraiment penchée dessus. Mais on en a parce que on a notamment on appelait ça les papiers mâchés. C'était des pièces que les Anglais ont beaucoup fait, qui étaient pour imiter les chinoiseries. Hein. Tu vois un peu comment c'est? Et J'avais j'ai vu acheté ça. des livres dessus, mais parce que ça m'intéressait, parce que c'était quand même lié à l'Asie d'une certaine manière. Mais sinon, en soi, je ne me suis pas penchée sur les techniques en Europe qui étaient faites. Mais bon, ils étaient forts, ils faisaient des meubles quand même. Donc, ils avaient quand Des même. meubles en Ouais, papier. ouais, ouais, ouais. Mais en fait, quand c'est compressé, le papier, c'est Très un truc solide. de fou. Ouais, c'est comme du bois quasiment. C'est même très lourd quand c'est compressé. Ah oui. Ouais. Et là, c'est pressé aussi, donc c'est pour ça que ça a une bonne résistance à l'emboutissement. C'est pour ça que mon silicone, il n'était pas très épais et que mon coffrage était assez prêt. Parce que là, je devais absolument presser et enlever toute l'eau. Ah, ok. Ouais, parce que il faut que ce soit. Sinon, en fait, si tu mets ton ongle, ça tout de suite, ça Ah oui, s'enfonce, ok. en fait. Donc il fallait vraiment que ce soit dans un moule et que ce soit pressé. Hein. Et celles qui sont impeccables, ça, c'est celles qui ont le moins de défauts, normalement, celles-là. Celles qui n'ont pas de manque de plumes, je les utilise pas en plumasserie, je les utilise pour le cuir, pour le nouveau projet. Mais en fait, en gros, c'est exactement les mêmes. Tu vois, ce côté-là, par exemple, là, il a des manques, donc ça, je ne pourrais pas l'utiliser en cuir. Donc, dans ce cas, c'est là que je vais prendre avec mes petits ciseaux, là. C'est là que je vais prendre les plumes qui m'intéressent, suivant les couleurs. Hein. Donc ça, je la prends jamais, la crête du faisan. Pourquoi? Parce qu'elle fait des épis. En fait, elle est moche, elle est marron et elle est très. Chaque plume a plusieurs couleurs. Donc ça fait tout brouillon, en fait.
Donc je l'utilise que si elle est très très belle et extrêmement... Ouais, mais j'en ai même pas là. Si elle est extrêmement be belle et verte, celle-là par exemple, je peux utiliser la base là. Mais là par exemple, elle est moche là. Elle est tachetée marron. Elle a Ah, des... tu veux pas qu'il y ait de, tu veux que ça Non. soit uniforme. Voilà. Ouais, je prends que des plumes uniformes. Parce que en fait, j'ai pas envie que dans le motif, il y a un motif en plus. Mais donc ce côté-là, par exemple, à ce côté-là, il est pas mal. Mais ce côté-là, si j'ai besoin de petites plumes. En fait, ces peaux, elles ont déjà été bon, bah, lavées, désinfectées et tout. Et quand elles sont tannées, elles ont aussi tout un traitement anti-mite. Enfin, Ah, toi, anti. tu leur rajoutes un traitement derrière? Mais ça fait partie du tannage. Hein. D'accord. Ouais. La dernière étape, c'est avec un traitement anti-mite. Donc en fait, là, je peux les utiliser directement pour la plumasserie, là. Elles sont propres. J'ai juste à, avec mes ciseaux, hop, je prends les plumes qui m'intéressent suivant le truc sur lequel je bosse. Si j'ai besoin que ce soit du vert, si j'ai besoin que ce soit du violet bleu, ça c'est que les joues qui sont violet bleu. Après, ça passe au bleu. Là, c'est du vert foncé toujours. Voilà. Et ici, la gorge, elle est un peu turquoise. Donc je sépare, je compartimente, je sépare par catégorie. Par exemple, le faisan. Ça, c'est le canard. Ça, c'est le pigeon. En fait, chaque animal, il a... Ça, c'est le canard. Tout ça, c'est le canard. Ouais. Et donc là, il y a écrit si c'est du premier choix, du deuxième choix ou du troisième choix. Ça, c'est du premier choix. C'est des plumes noires à reflets roses, souples, de petite taille. Elles sont hyper Tu peux nous montrer. jolies. Ouais. Ça, c'est du deuxième choix. Reflets roses légers, c'est les mêmes, mais elles commençaient à être moins bien. Et aussi, le troisième choix, c'est quand j'ai déjà utilisé les plumes. En fait, je sais pas si on voit très bien, mais c'est hyper rare d'avoir du noir à reflets roses chez un canard. C'est vraiment pas courant. Elles sont hyper jolies. Petite. Mais là, elles vont être recoupées, elles sont trop longues. Donc là, on le voit, le reflet rose. Ça, c'est pour les perroquets. Ouais, ça, c'est pour les perroquets. Par exemple, une comme ça. Je vais la... Comme elle est trop longue, je vais la recouper. Mais là, elles sont pas lavées, elles sont pas utilisables maintenant. Elles ont pas. Non, après, normalement, je fais trois bains différents après. Trois bains. Ouais, je fais un bain qui les lave, un bain qui est un désinfectant et un bain qui est antiparasite. Et c'est un antiparasite qui est, on va dire, préventif, qui va vraiment imprégner les plumes comme d'un anti-mite un petit peu. Voilà, du coup, je vais la couper comme ça. D'accord. Donc, je la coupe plus court et j'enlève le duvet parce que le duvet, il va bourrer. Et il va me faire de l'épaisseur et ça va pas. Du coup, je les coupe. Là, par exemple, là, c'est le coq. Au départ, elles sont comme ça. Effectivement. Donc Ah, c'est là, tout petit. elles sont trop longues et elles ont une base qui est moche. À la fin, il faut qu'elles soient comme ça. Voilà. Du coup, je les coupe toutes une par une. Donc ça, c'est là, j'ai ça, c'est du troisième choix. Donc j'écris toujours la taille, l'animal, et est-ce que c'est des reflets roses, est-ce que c'est du vert? Reflet vert superbe, ça c'est canard sauvage, ça c'est un chasseur qui me file les têtes. Donc là ça doit être du reflet qui est très très fort. Ah oui, on voit. Hein. Ouais, très très fort. Hyper intense. C'est des micros ça. Ça, c'est vraiment pour la fin de la pièce. C'est vraiment des toutes petites pour quand ça finit. Ah, parce que plus tu vas vers le haut, plus les plumes sont petites. Ouais, en fait, quand je suis ici au début, elles peuvent être longues comme ça. Mais après, à l'avant, elles sont obligées d'être vraiment toutes petites. Je suis obligée, sinon, je vais avoir un... Je vais pas réussir à faire mon raccord. Là, on voit que c'est vraiment petit à l'avant. Je vais vraiment en rétrécissant. Sinon, mon raccord, enfin,
Enfin, en fait, sinon, ma... ouais, ça va pas aller, la fin, elle va être moche. Un peu ton catalogue, ton magasin de plumes. Ouais, ça, c'est mon magasin de plumes. Où je vais chercher les plumes que je veux. Donc, pour chaque animal, j'ai ça pour la caille, le coq. Ah là, ils sont classés par animaux. Ouais, ça, c'est le canard. Le pigeon, j'utilise beaucoup le pigeon. Et le pigeon, voilà. Alors ça, c'est un code. Quand elles sont lavées et prêtes à être utilisées, elles sont dans une enveloppe transparente Ok, comme ça. d'accord. Ça, c'est du troisième choix, c'est le reste d'une broche. Donc en gros, j'ai déjà pris toutes les belles. Donc là, elles vont être moches, quoi. Celles qui restent. Sinon, les bijoux en plumes, je trouve que ça évoque pas mal le monde océanien ou les Indiens d'Amérique. Ah, les Indiens d'Amérique. Parce que, en fait, moi, je ne pense pas du tout aux Indiens d'Amérique. Mais par contre, il y a les. C'était plutôt l'Amérique du Sud. Ouais. Avec les Incas et les Aztèques Ouais, c'est ça. qui ont fait des pièces vraiment Bah incroyables. oui. Ah Mais eux, oui. c'est les meilleurs plumassiers du monde, par contre. Ah oui, Ah des ouais. trucs super fins. Ouais. Ah non, mais des trucs absolument incroyables, ils ont fait. Mais ça a disparu quasiment tout. Ah, on n'en a pas. Ben, on en a, mais on a. Ça, en fait, il y a eu un incendie énorme qui a fait brûler toutes les plumasseries de l'espèce. Je sais pas si c'était vraiment un roi qu'ils avaient. Et en fait, on voyait le feu était coloré à des kilomètres à la ronde parce que c'était. Et en fait, aussi, ce qui s'est passé, alors je crois que c'est les Incas. Je sais plus si c'est les Incas ou les Aztèques, qui étaient dans un milieu très très humide. Et donc, quand ils ont stocké leur plumasserie dans des tombeaux, elles ont été complètement abîmées parce qu'il ne faut pas d'humidité. C'est comme. Enfin, c'est normal, tous les matériaux, en fait, comme c'est au 15e siècle, évidemment, ils se désagrègent. Ah, Voilà. c'était au 15e C'est. surtout Ouais, qu'il y a Ivo. c'est ça. Ouais. C'est pas si vieux finalement. Bah, quand même, c'est assez vieux, Ouais, non? mais j'imaginais Ah, ouais, genre tu pensais 2000 ans quoi. avant? Ah, oui. Donc ça veut dire que. Parce que, en gros, qu'est-ce que c'est les traces qu'on Ouais, a? c'est au 15e siècle, c'est quand les conquistadors sont Ah, arrivés. d'accord, c'est à ce moment-là les traces. Ça veut dire, c'est quoi Ouais, ces traces? C'est de ils ont la peinture, des récupéré pas gravures? mal de pièces d'ailleurs, les Ah, ok. conquistadors. Et ils ont d'ailleurs des pièces, une pièce en Espagne qui est très connue. Mais c'est d'une finesse, mais c'est vraiment. C'est absolument incroyable. Mais eux, ils étaient trop trop forts. Et en plus, ils élevaient eux-mêmes les animaux qui les intéressaient. Et ils pouvaient transformer la couleur de leur plume. Parce qu'en fait, ils frottaient leur peau avec des épices, les perroquets notamment. Et ils pouvaient modifier les jaunes, les rendre saumon. Ils faisaient vraiment sur commande. Sur les Sur les animaux. animaux, ouais. Et ils élevaient les animaux. Et ils savaient exactement ce qu'ils devaient manger. Et ils avaient des ménageries juste pour leur travail de plumasserie. Ah oui, Ils étaient d'accord, très très ok. forts. Alors que les Une Hawaïens, vraie ils ont fait culture. disparaître des espèces. Parce que par exemple, il y avait un oiseau jaune qui servait pour la cape de leur roi. Et d'ailleurs, tu m'avais envoyé une photo d'une plumasserie hawaïenne, tu te rappelles? Ah ok, bon, allez, non? Ouais, je crois que c'était Gabon. Elle était jaune. Enfin, il y a Mmh. souvent du jaune et du rouge. Et l'oiseau jaune, il a disparu parce qu'il en fallait plus de 4000 pour faire un manteau. Enfin, bon, alors que bon, les Aztèques et les Incas, ils étaient carrément plus organisés. Enfin, eux, c'est les meilleurs plumassiers du monde, par contre, sans aucun doute. Voilà, donc elles sont toutes classées. Ça, c'est du deuxième choix. Ici. Donc ça, elles sont toutes classées. Ah, ça, j'adore celle-là. Celle-là, alors là, il n'y en a que 4 par pigeon, les plumes comme ça. Donc il me faut beaucoup de pigeons. 400 pigeons. Ouais. C'est le pigeon ramier. C'est ce qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest. Donc ça, c'est que des chasseurs qui me les donnent. Et en fait, elle en a que 4 sur la nuque. Et c'est hyper beau. Ah oui, ils sont Et jolis. celles-là, il faut les recouper parce qu'elles sont grandes là. Donc là, il faut les recouper pas mal. Et en fait, donc là, par exemple, celle-là, elle va pas pouvoir être, a priori, elle pourra pas être utilisée parce qu'elle est pas, elle est moche là. Elle a du vert. Mais en fait, c'est les seules chez le pigeon qui sont blanches à reflets roses. Je sais pas si on voit. C'est vraiment un blanc nacré en fait. Je sais pas si on voit bien. C'est hyper joli comme blanc. C'est un blanc cassé qui est nacré rose. Et ça, chez le pigeon, il n'y a que là qu'on le trouve. Hein. Il n'y a que chez le ramier, les 4 qu'il a dans sa nuque. Et ça, pour faire. Là, j'en ai pas mal parce que ça fait 3 ans que je les récolte, je ne les ai pas encore utilisés. Là, il y a pas mal de pigeons, alors s'il y en a Là, il y a deux. pas mal de pigeons, ouais.
Mais c'est parce que comme ma mère, elle est du sud-ouest, elle me récupère les têtes de palombes. Parce qu'il les chasse pas mal là-bas. C'est des chasses à la déferlante. Ouais. En fait, le faisant commun, je vais avoir à la fois des chasseurs et des fermiers, puisqu'à la fois on a des élevages pour le faisant, comme ça, pour les mâles, pour la viande. Et à la fois, c'est celui qu'on trouve dans les campagnes françaises. Il y a une différence entre le au niveau des plumes, Non, l'élevage ou non? non, c'est juste que le fermier, il est plus gros. Il est Moins plus, un génial. peu plus gras, quoi. Et sinon, voilà, donc ça, c'est pour tout le pigeon. C'est quoi les animaux? Canard, pigeon? Alors, j'en ai 9. J'ai donc coq, poulet, poule ensemble. J'ai pigeon, faisan, canard, oie, pintade, caille, dinde. Et pintade, caille, dinde. Et perdrix. Voilà. Ouais. J'ai pris la liste de ce qu'on voyait pour la basse-cour, le plus souvent. Et la deuxième technique pour laquelle j'y suis allée, c'est la super technique du Tian Sui. C'est ça s'appelle en gros, on va dire, l'incrustation de plumes de martin-pêcheur dans un cloisonné. Donc ça, c'est un truc totalement chinois. Personne ne l'a fait dans le monde. Comme la technique de l'arc de Pékin, personne d'autre l'a fait. Et en fait, il faut un cloisonné en métal assez classique. Donc, Un cloisonné, c'est-à-dire? un cloisonné, ça veut dire que par exemple, tu peux prendre un fil et puis tu vas faire un motif avec ce fil et tu vas souder ce fil sur une plaque, si bien que ta plaque se retrouve avec un motif en volume. Et après, tu l'utilises généralement le cloisonné pour le cloisonné émaillé. Tu mets ta poudre de verre dans les petits trous, tu mets au four et puis chaque il se mélange pas parce qu'il y a un petit mur comme ça Ok. autour en métal qui fait que tu peux faire des motifs colorés. Les Chinois, en fait, c'est les Français qui ont inventé le cloisonné, mais les Chinois aujourd'hui le pratiquent très très bien, font des trucs assez fous. Et en fait, là, tu fais ton petit cloisonné, mais au lieu de mettre de l'émail, tu sertis des plumes de martin-pêcheur. Et en fait, le secret, c'est la colle. Mais ils n'ont jamais voulu me donner le secret de la colle. Et puis, soi-disant, il restait plus qu'un seul mec, mais il voulait pas m'apprendre, il voulait apprendre qu'à sa fille. Et sa fille, elle voulait travailler dans l'administratif. Fallait aller voir sa fille et dire, écoute, Ah tu te passes un moment, tu filmes non, et mais basta. c'est clair, j'étais dégoûtée. Je disais, mais la fille, elle ne veut pas. Et il disait, ouais, bah, ça va disparaître avec moi. Enfin, il en avait vraiment rien à foutre, quoi. Et en plus, il était méga vieux. Enfin, tu voyais que ça n'allait pas du tout durer longtemps, cette affaire, quoi. C'était vraiment une cata, quoi. Enfin, j'y suis allée pour deux techniques, j'ai pu apprendre aucune des deux techniques. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait cette technique de plumasserie que j'ai trouvée intéressante. Mais les Chinois ont refusé de me l'apprendre, comme pour tout le reste. Et d'ailleurs, je suis pas la seule dans le cas, c'est très classique en fait. Les Occidentaux, j'en connais qui sont allés en Chine pour des techniques et ils n'ont absolument rien appris. Il y en a une qui a appris, mais elle a écrit un livre dessus, tellement c'est tellement rare qu'elle en a fait un bouquin, quoi. C'est très très rare que les Ah, Fabienne Occidentaux. Verdier. Ouais, c'est très rare que des Occidentaux puissent accéder à des choses chinoises très très traditionnelles et très spécifiquement chinoises. Et en fait, ce qui a fait que j'ai pu faire ces pièces, c'est parce que j'ai un collectionneur. Bon, là, c'est un collectionneur chinois qui m'avait filé des pièces pour que je prenne des photos. Mais sinon, Ah. c'est le musée de la colle des États-Unis. Et puis, c'est aussi une Musée de la spécialité. colle. Ouais, il y a un musée de la colle. Ils ont toutes les colles du monde. Et là, il faut trouver la colle, en fait. Si t'as pas la colle, tu peux pas faire la plumasserie. C'est pas la même que le martin-pêcheur, parce que sinon, je serais en train de faire la même. Enfin, je ferais pas avec du martin-pêcheur, mais j'utiliserais la technique. Mais c'est la colle qui est le secret. Et en fait, c'est la spécialiste chinoise Beverly Jackson, enfin, la spécialiste américaine de la plumasserie chinoise, Beverly Jackson, qui a fait des études sur. Puis on s'est écrit des mails, blablabla. Et puis elle a fait, en fait, elle a analysé des antiquités et c'est comme ça qu'elle a pu trouver notamment certains composants de la colle. Voilà. Mais c'est pas du tout. Enfin, les Chinois m'ont quasiment pas Mais parce que aidé, en du coup, fait. la colle pour l'histoire avec le martin pêcheur, qu'est-ce qui fait que ta technique de colle peut pas fonctionner avec Alors, le en martin fait, ce pêcheur? qu'il y a, c'est que le martin pêcheur, t'as ta plume qui a un reflet. En fait, le martin pêcheur, c'est turquoise à reflet rose. Et aucune autre plume ne fait ça. Et si tu prends, par exemple, tu teins une plume en turquoise. Eh bien, ça n'ira pas parce que le reflet rose, on ne peut pas le créer de manière artificielle. Il doit faire partie de la plume. Tu ne peux pas créer de reflet, ça, c'est pas possible. Tu peux faire toutes les couleurs que tu veux avec des plumes blanches, mais tu ne pourras jamais créer de reflet. Donc déjà, la plume martin-pêcheur, elle est très spécifique. Elle est turquoise avec un reflet rose incroyable.
Donc déjà, elle a des qualités esthétiques vraiment évidentes. Elle est très très fine. Disons que ouais, elle est vraiment très fine d'apparence, vraiment, enfin, elle est vraiment superbe. Et en fait, tu dois mettre de la colle derrière la plume, coller la plume sur une espèce de papier, et elle est bien à plat. Et là, tu découpes ton papier à la forme de ton cloisonné, et tu dois le mettre dans ton cloisonné, cette forme-là. Ah, c'est-à-dire Et en fait, que le problème, c'est que toute les colles passent à travers de la plume de Martin Pêcheur. et baisse Elle la devient couleur. moche, elle devient comme Ok. graisseuse visuellement, elle devient foncée, son reflet se flingue. C'est une catastrophe. Et elles font tout ça. Et j'ai essayé, bien sûr, celle-là, mais ça n'a pas marché du tout. Bâtard. Et en plus, le Martin Pêcheur, c'est une plume qui est, enfin, comme toutes les plumes, imperméable. Donc les colles, elles la rendent crado, mais en réalité, tu le colles, le truc se défait. Enfin, ça va pas du tout parce que c'est très très dur en fait de coller une plume à plat comme ça. C'est très dur. Là, je colle la base, donc c'est plus facile. Mais si je voulais coller une plume sans qu'on voit, enfin, c'est vraiment difficile à faire. Ça transperce, ça flingue tout, ou sinon ça se colle pas en fait. Parce que c'est, enfin, vous voyez comment c'est une goutte d'eau sur une plume, quoi. La colle, elle fait la même chose. Donc voilà, ça c'est tout le secret. Et Ok. ils veulent pas dire le secret. Et à côté de toi, le... Ça, ça sert à quoi? je sais pas si on le voit bien. En fait, ça c'est pour la colle. Donc la colle, c'est avec des éléments de poisson et d'algues, mais en fait ça sent pas du tout. Garçon. Non, ça sent rien là. Ça sent rien. Et du coup, il faut qu'il Mais il c'est faut. dans l'eau, si Ouais, j'arrive. c'est ça, c'est au bain-marie. Il faut que ce soit au bain-marie. Et en fait, du coup, ça c'est un bain-marie électrique pour que j'ai toujours la bonne température. Ouais, parce que avant, quand j'avais pas le bain-marie, c'était l'horreur. Je le faisais à la casserole, mais je passais mon temps sur la cuisinière, en fait. Je passais plus de temps à gérer la colle qu'à gérer les plumes. Et depuis que j'ai ce bain-marie, c'est vraiment génial. J'ai pu professionnaliser ma pratique. Et donc j'en ai toujours trois, parce que y en a un où la colle est en train de fondre, enfin un où elle est plus épaisse. Hein. Comme ça, je peux choisir un peu parce que D'accord. elle évolue assez vite quand même. Donc comme ça, je peux choisir. Et donc après, avec mon pinceau, et ben je vais juste. Tu mets de la colle sur la plume. Ouais, en fait, j'attrape la plume avec le pinceau. Donc quand la colle, elle a parfaitement la bonne consistance, eh ben c'est possible de faire ça. Si elle n'a pas la bonne consistance, ça va pas. Il faut absolument que ce soit la bonne colle surtout. C'est la colle qui fait tout. Si c'est pas la bonne colle, ça marche pas du tout. Et en fait, donc je mets toujours comme ça je positionne comme je veux, je la mets toujours dans son bol. Et en fait, ce qui est important, c'est où se positionne la pointe de la plume. Donc combien elle mesure, quelle est sa longueur, c'est pas important. Seule chose qui est importante, c'est sa pointe. Et donc voilà. Ah oui, parce qu'après en fait, c'est surtout la pointe qui est vue, tout le reste est Voilà. découvert, quoi. Ouais. Donc c'est ça l'indicateur Voilà, principal. c'est vraiment le seul indicateur. C'est que la pointe soit bien positionnée. Ouais. Et donc voilà, chacune est collée. Voilà. Chacune est collée. Et là, on voit la colle là. Je sais pas si ça se voit bien. Un Mais petit en peu. fait, c'est impossible de tirer une plume. On peut pas l'enlever. Il faut vraiment y aller au cutter. C'est pour ça, quand je les brosse avec ma petite brosse à dents et que les gens me disent, mais vous avez pas peur qu'elles tombent, les plumes? C'est impossible. C'est vraiment, c'est collé comme un bourrin, quoi. C'est impossible que ça parte. Ça peut pas partir. Donc, Là, t'en as une terminée ou pas? ouais. Celle-là. Ça, c'est du pigeon. Ça, c'est du gris bleuté, ça. Mais ici, il y a aussi de la caille et de la C'est vrai que pintade. celui-là, il absorbe vraiment la lumière fort, quoi. Ouais. Le gris, là. Ouais. C'est fou, Intéressant. on dirait du graphite un peu. Ouais. Ouais, c'est marrant. Hein. Il est très très foncé. Et là, c'est de l'oie blanche.
C'est assez épais, hein, visuellement. Et ici, je pense, est-ce que j'ai dû... Non, ça c'est elle. Là, j'ai une comme ça. Ça, c'est du coq noir ici. Et du coup, ici. Le noir, il est vraiment. Par contre, il brille bien. Il y a différentes ouais, mais le. Opacités, Ouais. Le coq, c'est vraiment hyper brillant. Et à chaque hyper fois, raide. tu rajoutes rien sur les plumes, c'est toujours leur aspect naturel. Ah oui, je rajoute rien. Ouais, parce que là, le noir, vraiment. Il... Ouais. C'est pas le même, le noir et le violet, enfin, celui que t'as dans la main là. Non, ça c'est du faisan, ça. Ça, c'est vraiment les plumes qui sont ici, qui sont violettes. Donc ça, c'est du faisan. Ça, c'est du canard, ça, c'est de l'oie. Et puis là, c'est du pigeon à reflet vert à l'avant. D'accord. Un petit peu turquoise. Voilà.